Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Masterclass. J'ai le plaisir de me trouver sur le magnifique trou numéro 9 du Golf d'Héritage qui accueille la Freja Bank Mortgage Open, une épreuve du European Tour. Et à travers cet épisode, on parle petit jeu et spécifiquement comment je vais vous aider à améliorer votre contact de balle avec un meilleur engagement du corps avec l'aide d'une baguette d'alignement. A tout de suite. Ok, donc j'ai une approche d'environ 25 mètres à effectuer. J'ai décidé aujourd'hui de prendre mon pitching wedge, faire voler la balle à 15 mètres pour ensuite la faire rouler à 10 mètres. Et sur ce type d'approche qu'on appelle un pitch shot, ce que j'ai tendance à voir avec beaucoup de joueurs amateurs qui connaissent un manque de régularité au niveau du contact de balle, c'est qu'ils arrivent dans une position à l'impact où les épaules, les hanches sont pratiquement parallèles par rapport à la ligne de jeu. Et ce qui se passe, c'est que les mains prennent le dessus parce qu'il n'y a eu aucun engagement au niveau du corps qui est le moteur premier du swing. Les mains prennent le dessus et puis on a tendance à cueillir la balle. Ça peut causer des grades, des tops, enfin bref. Pas de choses très très bien. Okay. Donc ce qu'on veut, c'est arriver dans une position à l'impact où les mains sont légèrement en avant par rapport à la tête de club. Et ce qu'on veut, c'est continuer le mouvement pour se retrouver dans une situation où les hanches sont beaucoup plus haut, sont face à la cible, avec les épaules également qui sont face à la cible, avec le club qui est positionné légèrement à gauche par rapport à la cible. Et donc j'ai un excellent exercice pour vous permettre de ressentir l'engagement du corps, c'est tout simplement prendre une baguette d'alignement et le positionner en fait sur la partie gauche du grip, comme ceci. Donc vous voyez, je le place comme ça, et là vous allez voir que la baguette d'alignement va être située contre mon côté gauche comme ceci. Ok, maintenant à partir de là, ça va être très difficile pour vous de uniquement jouer avec les poignets puisque vous allez être complètement bloqué par la baguette d'alignement qui vous empêche finalement de taper le coup correctement. Donc vous êtes obligé d'aller chercher un léger engagement du corps ici pour vous retrouver dans une position où la baguette maintenant loupe le corps et vous pouvez ensuite tourner correctement vers la cible. Donc la façon dont j'effectue cet exercice à l'entraînement, c'est 3 coups d'essai. D'accord, donc j'effectue 3 coups d'essai comme ça, et ensuite une fois que j'ai effectué mes 3 coups d'essai, je me positionne devant la balle et ensuite je vais la taper. Essayez cet exercice la prochaine fois que vous allez vous entraîner au petit jeu, ça va vraiment améliorer votre engagement du corps, ce qui vous permettra d'améliorer votre contact de balle avec les approches. À très vite.